si ça fonctionne. Nous retrouvons pour cette interview Yann Géninasca de la société Mincatech. Bonjour Yann. Bonjour. Bienvenue au forum et sur le plateau télé. Est-ce que vous pouvez en quelques mots rapidement nous rappeler votre technologie et puis les avantages de votre produit ? Oui. Alors Mincatech Energy s'occupe du stockage de l'hydrogène sous forme solide. Alors je sais que ça fait un peu bizarre, mais l'hydrogène va venir réagir avec de la poudre métallique et former un solide cristallin qu'on appelle un hydrure. Et ça permet de stocker dans un très faible volume, donc beaucoup mieux que l'hydrogène comprimé, et on va stocker sans pression. C'est ça qui est important. On va juste avoir une petite partie gazeuse qui va être à 10 bars seulement. Donc on peut stocker des grandes quantités d'hydrogène avec une grande sécurité, parce qu'on a zéro pression à l'intérieur. Combien de kilos ? Ce que vous voulez. Okay. Donc ça va dépendre des industries. On a les modules, un peu comme les batteries chimiques, on a des petits modules. Et après, on vient assembler les petits modules pour pouvoir faire du gros stockage. Et pour l'industrie, ça peut représenter plusieurs tonnes de stockage. Pas nécessité d'être en zone ATEX ? Alors, c'est la particularité, c'est que le réservoir, tel qu'il est notre réservoir industriel, ne définit pas de zone ATEX. Donc ça nous permet, en réalité, ça nous ouvre des champs un peu plus importants, puisqu'on peut le mettre dans des bâtiments, on va pouvoir le mettre aussi dans des cales de bateaux. Donc ça nous ouvre beaucoup d'industries qui n'est pas aujourd'hui acceptée avec du stockage comprimé, par exemple. Dans sa conception, j'avais lu dans la presse qu'il n'y avait pas de terres rares, de métaux rares dans le produit. Alors ça fait partie effectivement du cahier des charges, essayer d'avoir une certaine autonomie européenne. Donc les matériaux utilisés, c'est des matériaux dont on a une certaine souveraineté européenne. Donc effectivement, on a éliminé complètement les terres rares. Aujourd'hui, quelles sont les applications qui sont visées avec ces réservoirs d'hydrogène solide ? Alors les applications, elles sont diverses. Bah, partout, on a besoin de stocker de l'hydrogène. Alors après, on a des applications qui sont plus à même avec la technologie solide. La première, ça va être tout ce qui va être le stationnaire et l'industrie. L'industrie, ben, il faut qu'elle se décarbone. Donc toutes les industries qui utilisent aujourd'hui de l'hydrogène vont passer avec de l'hydrogène décarboné. Or, c'est intermittent sur des process continus, donc il va falloir avoir du gros stockage tampon. Ça, c'est le premier, c'est là où on a nos premiers contrats. Après, on va avoir toute la problématique des énergies renouvelables qu'on ne peut plus réinjecter dans le réseau. Et les énergéticiens sont en train d'étudier comment stocker cette énergie. Une des formes, c'est le stocker sous forme d'hydrogène et, par exemple, sous forme solide. Et après, on a la partie mobilité. La mobilité, alors, l'inconvénient de notre réservoir, c'est par rapport à son poids, c'est beaucoup plus lourd que la technologie gazeuse, mais on a certains domaines, comme le off-road, les engins de chantier, ils ont besoin, eux, d'avoir du poids dans un très faible volume, et là, c'est quand même l'industrie où on va s'imposer avec la technologie solide. Et là, c'est là où on a beaucoup de démonstrateurs en cours avec différents acteurs. Donc, trois applications possibles. Votre société a été lauréate dernier appel à projet première usine, c'est ça ? Voilà, donc on est dans la sixième, dans le sixième tour. Donc effectivement, on est parmi les 12 lauréats du dernier tour. Et je remercie aussi l'État français qui nous fait confiance, hein, parce que c'est pas rien. Et ça permet aussi de faire connaître aussi la technologie, parce que c'est quand même peu connu. Donc là, on a quand même aussi une visibilité quand même qui est très bonne à travers première usine. Et cet été, vous avez fait votre première levée de fonds ? Et cet été, ouais, c'est vrai, on a eu un été sympa. Hein, ouais. Hein, c'est vrai. Effectivement, donc on a levé les fonds pour pouvoir aussi, c'est complémentaire à première usine, mais pour pouvoir implanter notre première ligne de production, c'est important. Ça nous permet aussi de voir l'avenir quand même assez sereinement, puisque on a tout ce qu'il faut pour dérouler notre plan de développement. Donc, et c'est notre première levée de fonds. Alors, c'est un peu difficile de lever des fonds. Non, c'est pas facile. C'est pas facile. Et je pense que s'il y a des investisseurs qui nous écoutent, je pense, regardez les PME, regardez, parce qu'il y en a plein qui ont des idées géniales. Et le contexte est assez difficile. Donc, on a bien réussi avec un investisseur institutionnel français. Donc, on reste 100% français.
Mais je pense que tous les autres, il faut penchez-vous sur les pépites qu'il y a même dans le salon pour les aider. Je pense que c'est important. Merci Yann. Merci bien. Et à bientôt. Merci, et puis on se retrouve pour un prochain plateau. À tout à l'heure.